Tu connais la chaîne No Copyright Sound? C'est une chaîne avec des musiques libres de droit et il y a des musiques trop cool. Non, je connais pas, on va regarder ça. No Copyright Sound. Ah, je crois que je l'avais déjà vu une fois. Ouais, je crois que je l'avais déjà vu. Ah, il y a 5 millions d'abonnés quand même. Bah, voyons ça, voyons ça. On met quoi? On met électronique, dubstep, trap, indie dance, mélodie, dubstep, all release, tobu, house, dubstep, hardstyle. Oh, c'est full dubstep en fait. Il y a que de la dubstep en vrai. Je pense que c'est un zoo, on va garder préparation en Fan of Knives. C'est pas si horrible comme musique. Est-ce que c'est trop fort les gars? Dites-moi si c'est trop fort. C'est plutôt une belle main. Il a rien joué tour 1, c'est possible que ce soit pas un zoo, mais c'est très possible aussi que ce soit un zoo qui a eu une mauvaise sortie. Non, ça a pas l'air un zoo, ok. C'est pas pour nous déplaire hein, pour le coup. Ça nous arrange. Un peu taper avec la dague, il y a très peu d'intérêt, étant donné que on a un poison mortel dans la main et que c'est pas sûr qu'on ait la mana pour taper au prochain tour non plus. Ah, très bien. C'est très très fort Obsessioness dans la méta. Je pense que Obsessioness n'a jamais été aussi fort que maintenant. Parce qu'en fait, plus personne ne joue de silence, à part quelques druides qui jouent la 4-3. Donc du coup, c'est vraiment très très fort. Ok, ça me va. C'est trop fort? Ok, désolé. Désolé les gars, c'est baissé. Encore une carte, 3, 6, 7, 8, 9. Il joue probablement Ktoon ou un truc dans le genre. Pense c'est ça et poison mortel. Non, je pense c'est ça et poison mortel. Mission class. On a déjà deux pièces, on n'a pas besoin de la troisième pièce en soi. Et cette carte là est très effrayante pour lui parce qu'il n'a pas trop envie non plus que j'ai 17 créatures sur le board. Et bien évidemment que t'as le limon. Ce serait dommage que tu l'aies pas. Oh, c'est pas mal ça. Anyway. Un petit sap, un petit assommeil les gars. Allez, allez. Ok. Je pense qu'on double pièce dans tous les cas. Il nous faut soit dissimuler, soit assommer. Dissimuler, il peut en flamme, assommer est meilleur. Mais bon. On va pas chipoter, hein. Si on a dissimulé, on va faire dissimuler les gars. Ok, deuxième. Prêt, pièce. Ok, on a l'assommer. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si on fait préparation et éventail, on passe à 9. Carte dans la main. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne suis pas sûr que ça. Je pense que c'est. Je pense qu'on veut absolument choper notre assommet sur ce tour. C'est ce tour-là où c'est le plus fort. Ouais, plus cher match du deck quand même. Oh the fuck! No! Viens à nous! Viens à nous, vilain sommet! Ah, il est là! Il est là, les gars! Comme prévu! On va pas jouer ça. On a pas. On a ni la mana, ni le temps, ni la place dans la main pour le jouer. Ouh! Eh ben, donc! C'était un tour assez serré en termes de temps, au niveau du temps. Allez, les gars, cette fois, c'est la bonne. Allez, on y va! Est-ce qu'il peut gérer ça? En soi, je crois qu'il a. Est-ce qu'il a encore la pièce? J'arrive plus à me souvenir. Je sais plus. Parce qu'il peut peut-être rejouer le Drake, pièce, ombre flamme. Après, en soi, on a tellement déjà pioché de cartes que c'est pas très grave hein, s'il tue notre board. Mais par contre, s'il le tue pas, je crois qu'il est mort. Je pense qu'il est fort probablement mort. Parce qu'on a 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il nous manque 7. Donc, du coup, on a encore 2 éviscérations et 2 sang-froid dans les 11 cartes. Et vu qu'on pioche beaucoup de cartes. Ok. Puissance accablante et ombre flamme? Non, même pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Ouh, nice, il a capitulé. Le gars Jason qui a fait la diff. Ça fait plaisir. Allez, on récupère notre étoile. Ah, ok, on récupère pas notre étoile. Super, merci Blizzard. Et là, normalement, il y a l'animation. Ou alors, il n'y a pas. Ah, super, elle est là. Oh là 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 là, la dernière classe en doré. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir, les gars. Putain, ce qu'elle est belle, Valyra. C'est probablement. Ah, je sais pas. C'est probablement quand même l'une des plus belles Valyra en doré. Nice! Putain, ce qu'on est content. Avant, au début, quand on passait une case dorée, elle était pas automatiquement ici. Il fallait décorer. Maintenant, elle est ici.
Wouhou! Enfin! Plus d'un an! Plus d'un an qu'on est à 450 victoires avec cette classe! Un an pour faire 50 victoires! Oh la vache! J'ai jamais autant galéré de ma vie! Oh, regardez, elle a encore marqué 499! Ok, super, ça fait vraiment plaisir! So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B. sample with a dope ass.